Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Suiban dans cette vidéo hors du commun. Dans les deux témoignages puissants précédents, nous avons découvert la présence du satanisme dans l'industrie de la musique. Et ce qui est bizarre et mauvais, c'est que ça a une influence sur les jeunes et sur nos enfants. Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est réel ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ah, c'est extraordinaire. C'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo, si vous avez même eu la possibilité de la voir. C'est que Dieu voudrait vraiment que vous changiez certaines choses au niveau de la musique que vous écoutez. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de réagir. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et cliquez tout sur j'aime. Ce que nous allons vous montrer ici risque de ne pas vous plaire. Nous devons vous prévenir. Mais ce qui est sûr, c'est que des millions, des centaines d'enfants sont décédés juste en écoutant la musique profane, la musique satanique. Ça fait peur, mes frères et sœurs. Nous devons vous montrer ces images avec ces témoignages, mes frères et sœurs. Soyez prêts. Ça risque d'être choquant pour vous parce qu'on parlera des choses terribles même. Mais pour venir te guérir, on vous a déjà averti. Soyez prêts. Bien, nous allons au studio. Nous allons maintenant vous montrer ce qu'il faut vous montrer. Regardez ça. La question que vous poserez, mais c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui tient dans la main? Mais c'est le diable. Mais qu'est-ce que le diable fout-il ici? Et que cherche-t-il sur la pochette de ce CD qui est là? Ça, c'est une très belle et bonne question. Et c'est écrit ici, sur le CD, regardez bien, pour lire, regardez bien. C'est écrit, Welcome to Hell. C'est ça, n'est-ce pas? Si c'est vraiment Welcome to Hell, c'est qu'il y a un problème. Et regardez à quoi ressemble cette créature. Cette créature ressemble à une chèvre qui se trouve juste à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous posez à 100% toute la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Nous n'allons même pas nous fatiguer pour vous donner la réponse. Suivez-nous, vous allez voir vous-même. C'est un enfant, un adepte du sataniste qui va tout simplement nous dire ce que ça signifie. On va à sa recherche maintenant. Soyez prêts, suivez-nous. C'est parti. Regardez ça. On va directement dans un monde différent, dans un autre univers. Doulance, dans le nord de la France. Mercredi après-midi, Romain, 15 ans, répète avec son groupe de musique, apparemment d'innocents adolescents, et pourtant, il n'hésite pas à se revendiquer sataniste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il joue, c'est le même cérémonial, se grimer le visage. Un maquillage macabre pour faire comme leur chanteur préféré. Et vous, comment vous avez connu le satanisme? Grâce au métal, je sais pas, les groupes. Il y a plein mal de groupes satanistes. Ouais, ça influence peut-être un peu. Enfin, beaucoup. C'est donc par la musique que Romain a rencontré Satan. Bien, c'est donc par la musique que ce jeune homme a rencontré le diable. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Décidément, on peut rencontrer le diable juste par la musique, juste en écoutant la musique, et il va nous expliquer des choses que nous devons savoir ici. Mais avant d'aller plus loin, regardez bien ici, regardez là-bas. Vous voyez quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle rien? Bon, regardez de plus près, écoutez-le. Une révélation grâce à un groupe qu'il a découvert il y a 6 mois, son nom, Venom. On voit ici le symbole de Baphomet. Donc, il nous dit que ce qui tient dans la maison, ce qui tient juste là dans la main, c'est le symbole de Baphomet, c'est-à-dire un démon. Et ce démon-là est très honoré et mis en avant même par ceux qui font de la musique pour plaire aux gens, la musique qu'on appelle la musique profane. C'est ça. Il va nous expliquer, il va nous dire ce que ça signifie. Écoutez très bien. C'est donc par la musique que Romain a rencontré Satan.
Une révélation grâce à un groupe qu'il a découvert il y a 6 mois, son nom, Venom. On voit ici le symbole de Baphomet, donc comme j'ai dit, l'étoile à 5 branches avec une branche vers le bas, avec le bouc. Le bouc, normalement, il représente Satan. Vous avez entendu ça? Il dit que le bouc, normalement, il représente Satan. Ça veut dire qu'il sait et il est conscient que l'image qui se trouve sur le CD là, ça représente le diable. Mais écoutez-le. Le symbole de Baphomet, donc comme j'ai dit, l'étoile à 5 branches avec une branche vers le bas, avec le bouc. Le bouc, normalement, il représente Satan. Les titres des chansons sont encore plus explicites. Traduction, les fils de Satan, bienvenue en enfer, ou encore, pacte avec le diable. Donc, eux, ils chantent pour faire quoi, en fait? Si le premier titre de la chanson, c'est bienvenue au diable, c'est que ça en dit long sur le sujet. Ça veut dire qu'eux, ils chantent pour envoyer les âmes en enfer. C'est tout. Ils chantent pour envoyer les âmes en enfer. Et ce sont les âmes des innocents, des gens même qui ne savent pas ce qui se passe concrètement dans ce domaine. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous à la prévenir que ce genre de choses existent. Si vous ne les négligez, partagez cette vidéo au maximum. Et regardez comme il est jeune. Et tiens, c'est un peu trop, mais donc, eux, justement, ils sont vraiment radicaux. C'est le titre de la chanson, c'est une flamme christianos. Donc, c'est-à-dire, ils enflamment des chrétiens. C'est un peu trop, mais... Mais bon, ça ne me dérange pas. Il dit que le titre des chansons qu'il écoute là, c'est enflammer des chrétiens. C'est-à-dire le titre de ces musiciens qui chantent dans l'album, sur la pochette, vous avez vu un témoin là. Eux, leur titre dit enflammer les chrétiens, c'est-à-dire mettre le feu sur les chrétiens en fait. Et on lui pose la question, mais est-ce que ça te dérange? Il dit non. Bon. Ça ne dérange pas. Même si ça ne dérange pas, il dit que ça ne dérange pas. Mais il y a un truc qui se passe. Lui-même, le Saint-Esprit qui est en lui est en train de parler pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens ne s'alarment pas. Hein. Ils vont même aller plus loin pour voir ce qui se passe encore en profondeur dans le Saint-Esprit. On se demande ce que c'est vraiment. Et ensuite, bon, sur Internet, on va finir par tomber sur des sites qui parlent du satanisme, des sites qui expliquent quelques rituels. Donc au début on se demande ce que c'est vraiment, et ensuite bon, sur Internet on va finir par tomber sur des sites qui parlent du satanisme, des sites qui expliquent. Donc il dit qu'au départ il se pose la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement ils vont pousser les recherches, ils vont aller sur Internet où ils vont trouver des choses terribles, des choses qui sont en relation avec le monde des ténèbres, et il faut apprendre à faire des choses pareilles. Et pour pouvoir bien apprendre, il faut souvent se rendre dans des lieux bizarres que beaucoup de satanistes aiment fréquenter. C'est quoi? Bon, si on vous dit c'est pas bien, mais regardez à l'écran, vous allez même être surpris. C'est un cimetière. Pourquoi vous aimez bien venir ici? L'ambiance, on aime bien l'ambiance. Ils viennent au cimetière. Et puis ils disent qu'ils aiment bien l'ambiance du cimetière. Ah! T'as pas entendu ça, mes frères et sœurs? Hein? Mais j'hallucine ou quoi? C'est calme. Reposant. Et il dit même que le cimetière est reposant. On peut se reposer la tête là-bas. Ah! Où suis-je? Musique morbide, lieu de rendez-vous macabre. Tout ce qui met mal à l'aise le commun des mortels a tendance à fasciner Romain. Il s'est même construit une pensée en rupture totale avec l'éducation catholique de son enfance. On n'a pas à se dire, tiens, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On fait vraiment ce qu'on veut. Jésus s'est pris une gifle, il a tendu l'autre joue. Tandis que là, c'est si on nous met une gifle, et ben nous, on en remet une sur l'autre joue de l'autre. Ça veut dire que la musique qu'ils sont en train d'écouter là, est en train de les amener à devenir des anti-chrétiens, anti-Christ, ou des ennemis de Dieu, des gens qui détestent maintenant la parole de Dieu. Et c'est ce que le diable est en train de faire, créer des musiques pour amener la population mondiale à devenir ennemis de Dieu. C'est ça la réalité. Vous avez entendu ça?
Ce qui guide avant tout ces adolescents, c'est donc une véritable rupture avec le système de valeurs de leurs parents. Et ici, cet enfant maintenant sera face à sa mère. Et il va expliquer à sa maman pour la première fois ce qu'il fait qu'elle ignore. Écoutez bien cette conversation, hein? Écoutez. Yveline, la mère de Romain, ne s'était jusqu'ici pas penchée sur l'univers de son fils. Il va tenter de lui expliquer ce qu'il a compris des règles satanistes. C'est comme une religion, sauf qu'il n'y a pas de contraintes, quasiment pas. On est athée, mais en suivant des sortes de règles de vie, c'est-à-dire ne pas faire de mal aux animaux, des trucs comme ça. Ah ouais, déjà, c'est bien. A priori, rien de bien méchant. Pourtant, Yveline va vite déchanter. Notamment quand Romain va lui lire les textes auxquels il se réfère. De quoi sérieusement ébranler la mère de famille. Si un invité dans votre repère vous contrarie ou vous embête, traitez-le cruellement et sans pitié. Ah oui, quand même. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il continue à vous ennuyer, détruisez-le. Ah, détruisez-le. Donc c'est là qu'intervient le rituel de destruction. Oui, on s'énerve, on le détruit ou on va... Mais pas physiquement. Non, jamais physiquement. Jamais physiquement. Donc les enfants vont directement apprendre à faire de la sorcellerie. Directement, juste par là. Et la maman, regardez son visage. Elle dit, mais je suis à l'ouest. Où suis-je? Est-ce que c'est mon enfant que j'ai mis au monde qui parle comme ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle doit bien l'écouter et découvrir ce qu'elle a à dire avant de lui donner le conseil approprié. Écoutez encore, ça m'étonne. Tiens, ton ami qui a goûté, ça m'étonne. Voilà, c'est déjà un bon point. Parce que quand il marque détruisez-les, je pense qu'il y a des gens qui n'hésiteraient pas à détruire quelqu'un, parce que c'est écrit là-dedans. Hein. Tu penses toujours rester dans le satanisme toute ta vie, non, quand même pas. Mais si. Ah bon, si. Mais si, ça change rien. De toute façon, c'est comme ça. Ces préceptes que Romain lit religieusement sur Internet sont tirés d'un livre, La Bible satanique. Et tout ce que l'enfant est tenté d'apprendre là, sont tirés des livres qu'on appelle la Bible satanique. C'est-à-dire, eux, ils ont abandonné Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quand Dieu parlait de ça, personne n'y croyait. C'est écrit dans la Bible et ça se réalise, ça se manifeste au travers de ça. Et c'est passé par où? C'est par quoi le diable est passé? Par voir les gens. C'est par la musique. Juste par la musique. Aïe, 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 ça va être chaud. Mais ici, plus loin, nous allons voir un gars qui est un grand de ce domaine-là, un technicien, un connaisseur de la chose qui va nous expliquer ce que les gens lisent réellement dans ces livres sataniques ou encore de la Bible du diable. Regardez. Lecture à ne pas mettre entre toutes les mains. Et regardez le symbole qui se trouve sur ce livre-là. Évitez-le au maximum. Vous avez vu ça? C'est le même symbole. C'est le même symbole. C'est en tout cas ce que pense l'historien Jacques Cordonnier, un des plus grands spécialistes de cette mouvance. La justice fait souvent appel à lui comme expert pour des faits divers liés au satanisme. Il s'inquiète du pouvoir de séduction de ces théories fumeuses auprès d'adolescents fragiles. Le satanisme peut les séduire parce qu'en réalité, il va leur donner une existence. Il va donner à ces jeunes le sentiment d'appartenir à une élite. D'avoir accès à une connaissance, hein, voyez-vous, que seuls les meilleurs, l'élite, va avoir. Donc ça peut les attirer. Le problème, c'est que ces soi-disant connaissances sont loin d'être anodines. Elles peuvent même se révéler particulièrement dangereuses. Explication de texte. Béni soient les forts, maudits soient les faibles, car ils n'auront que le joug. Béni soient les destructeurs, béni soient ceux qui défient la mort, car ils vivront de longs jours en ce monde, hein. Quand on parle de pratiques suicidaires, hein, c'est jusqu'où je peux aller, jusqu'à la mort éventuellement. Nous avons des suicides, par exemple, de jeunes qui sont allés se mettre et se jeter sous des trains. Vous avez entendu ça? Juste en lisant de tels livres ou en écoutant de telles musiques, les jeunes peuvent aller eux-mêmes se suicider, même se jeter sous les trains. Où vont-ils aller plus tard? Vous devez partager cette vidéo à quelqu'un pour ne pas que la mort surprenne ses enfants.
Nos enfants doivent être alertés et ne pas se laisser tromper par le diable. C'est quand même pas rien, hein? Une fascination malsaine pour la mort, mais ce n'est pas tout. Quand on pousse la lecture un peu plus loin, certains textes s'apparentent à de véritables appels à la violence. Comment provoquer la destruction d'un ennemi, hein? Un discours détaillé adressé à la victime, décrivant ses tourments, mutilation, injure, déclenchement de douleur ou de maladie, utilisant tout moyen ou procédé désiré. En droit, ça s'appelle une incitation à acte de barbarie. Une incitation à acte de barbarie. Vous avez compris ça? Donc, ça veut dire que le diable utilisera toutes les méthodes pour pousser les gens à devenir décidément des rebelles et des menaces pour la société. Ah là 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 là, ça devient chaud. Cette affaire-là, l'immense majorité des jeunes n'ont, je le répète, aucune idée des dangers et des finalités du satanisme en France. Appel au meurtre, rituel de magie noire, invocation démoniaque, ces pratiques très clandestines, un sataniste a accepté de nous les dévoiler. Au nom de Satan, maître de la terre et roi du monde, j'ordonne aux forces de l'obscurité de m'accorder leur... On va pas aller plus loin par rapport à ça. On nous a fait passer l'image parce qu'il est tenté de faire des incantations, des invocations. Oui, c'est un sataniste pratiquant. Et lui, c'était un sataniste pratiquant. C'était le matin, vous le voyez tranquille, va au travail. Mais la nuit, c'était un sataniste pratiquant. Et regardez, est-ce que c'est écrit sur son visage, je suis un sataniste ou quoi que ce soit? Non, mais les choses sont réelles et il va vous le dire. Depuis l'âge de 16 ans, il croit en la puissance du diable. Il suit à la lettre les enseignements de la Bible satanique pour organiser d'étranges rituels. Et c'est depuis l'âge de 16 ans qu'il a commencé ça. Faites attention. Bougie, dague, tête de bouc, un cérémonial très codé qui est pour lui l'équivalent d'une prière faite au diable. Il lui demande des services qui peuvent aller jusqu'à l'appel au meurtre de ses ennemis personnels. J'ordonne que les choses que je souhaite se... Là, c'est encore l'incantation. On va pas me laisser entendre ça, ok? Voilà. Non, mais c'est le faire à distance, en fait. Il y a deux personnes sur qui j'ai vraiment fait quelque chose. Le premier, c'était il y a longtemps. Il est décédé. Et le deuxième a fait une dépression qui a pas mal... Enfin, disons que 4 ou 5 ans après, j'avais encore des nouvelles indirectement. Et il s'en sortait pas, en fait. Donc, toi, tu as lancé des sorts sur les gens, ça te dit rien. Mais frère, c'est ce qui se passe et c'est la réalité. C'est pour nous dire que, effectivement, ce genre de choses-là, si vous ne croyez pas, ça existe et ça a des effets. Des croyances surréalistes qui peuvent troubler. Mais la loi ne prévoit pas de condamner de telles pratiques quand elles restent cantonnées à de simples incantations dans un cadre privé. Le problème de ces rituels, c'est qu'ils peuvent déraper dans le sordide et la violence. Nous avons des cas de profanation. Je suis désolé de devoir de parler de ce chose un petit peu horrible, des cas tout à fait précis de jeunes capables d'aller plonger leurs mains dans des tombes en décomposition et de ressortir les crânes. Quoi? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ça veut dire que les gens sont vraiment chauds, hein? Ils sont chauds! Ils sont vraiment chauds quand c'est pour faire des trucs bizarres comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens sont chauds comme ça. Mais quand c'est pour faire les choses tranquilles, adorer Dieu, ils disent que « Oh, laisse-nous tranquilles, tu ne vas pas nous laisser nous amuser. » Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez encore, écoutez encore. Sordide et la violence. Nous avons des cas de profanation. Je suis désolé de devoir de parler de ce chose un petit peu horrible. Des cas tout à fait précis de jeunes capables d'aller plonger leurs mains dans des tombes en décomposition et de ressortir les crânes. Ça, c'est une réalité. Imaginez-vous les dégâts psychiques que cela peut occasionner. Exemple extrême avec des photos tirées du dossier d'instruction d'une affaire de rituel. Une cérémonie barbare qui a eu lieu il y a quelques années. Vous avez des images qui ont été tirées donc, d'un rituel de messe noire où un individu est en train d'être torturé. On voit très très clairement sur le corps les plaies. En principe, on va le brûler un peu à l'acide. Et on lui fait boire ici au calice
le sang d'un animal qui a été précédemment torturé. En général, un chat ou une volaille. Tous les satanistes ne pratiquent pas cela, attention. Mais ça existe. C'est une réalité qu'on ne peut pas non plus gommer. Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Vous en rendez compte? Vous voyez les effets ou encore le danger de cette histoire sur la jeunesse? Si on ne vous a pas fait cette vidéo, ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour vous montrer des vraies choses maintenant sur Astrobonne. Abonnez-vous et activez la cloche pour la prochaine vidéo et cliquez sur j'aime à chaque fois. Et soyez prêts. Alexandre a aujourd'hui 19 ans. Il a découvert le satanisme à l'âge de 15 ans. Cela a failli le détruire. Dépression, tentative de suicide à répétition, c'est après un séjour dans un hôpital psychiatrique qu'il s'en est sorti. Donc lui, à l'âge déjà de 15 ans, il est déjà en train de le satanisme. Et ça l'a conduit dans le problème où il a failli mourir. Il va nous raconter ce témoignage. Écoutez-le bien. De ce passé douloureux, Alexandre a gardé quelques reliques. Alors ça, qu'est-ce que c'est, Alexandre? Bah, c'est les documents que j'avais avant. Donc là, c'est un groupe de musique que j'écoutais, que j'aimais bien. Tu peux me raconter un peu le cheminement qui s'est fait? Bah, au collège, j'étais un petit peu le petit intello. Les gens se moquaient un peu de moi. J'avais dit, si existe le diable, vraiment, qui me rend beaucoup plus fort. Toi, t'aurais pu aller jusqu'où, tu penses? J'aurais pu aller jusqu'à me tuer. Peut-être aussi jusqu'à tuer quelqu'un aussi. Bah, je pense. Vous avez vu ça? Voici ce que le diable veut que nos enfants deviennent, les jeunes deviennent, des criminels, des assassins, afin qu'à la fin, ils puissent payer pour les crimes en enfer. Le diable vraiment est mauvais. Il est vraiment mauvais. Les parents d'Alexandre étaient loin d'imaginer ce que leur fils faisait derrière leur dos. Je cassais des trucs dans les cimetières, je crachais sur les tombes, et même quand il y a des Jésus là dans les villes. J'arrivais dessus, je crachais dessus, je détestais ça, moi, les chrétiens. Les gens qui faisaient le bien, j'aimais pas. C'était quoi le satanisme pour vous avant? Au départ, bon, c'était un look. Maintenant, qui nous raconte vraiment ce qu'il a vécu, dont on n'était pas au courant de tout. On a passé... Je crachais des trucs quand même, quoi. Oui. Non, et les parents n'étaient pas au courant. Dans les cimetières, je ne le savais pas. Ils ne savaient pas que l'enfant allait dans les cimetières. Il a prié pas longtemps. Sans même que ses parents s'en aperçoivent, Alexandre a sombré petit à petit dans un profond mal-être. J'ai fait quand même des tentatives de suicide. De temps en temps, je revois encore des choses que j'ai vues, de la musique que j'écoutais, les paroles me reviennent comme ça. Il dit que les paroles de la musique qu'il écoutait là, c'est ce qui l'a poussé jusqu'à ici. Et il voit que c'était ça la mort même, c'est ce qui l'entraînait vers la mort. Il a dû s'étant débarrassé avant d'arriver jusqu'à ce stade-là. Mais frère, c'est grave. Regardez l'état de sa mère. Sa mère est confuse, elle ne sait pas ce qui ne va pas. Enfin, l'enfant se confesse. Gloire à Jésus, mes frères et sœurs. Parce que la musique que j'écoutais était tellement violente, des fois. Je me disais, mais j'ai envie de tuer tout le monde, prendre un flingue et tirer sur tout le monde. Comment tu vois les satanistes aujourd'hui? Quel regard tu as sur eux? Ça me fait mal quand même quand je les vois. Toujours un petit peu de pitié. Parce que je me dis, mais ils croient qu'ils détiennent la vérité, mais ils sont carrément sortis du système. La vie, elle est belle, elle n'est pas si compliquée qu'on se fait croire, elle n'est pas si pessimiste que ça. C'est nous qu'on se la rend pessimiste, qu'on se la rend difficile, la vie, mais la vie, elle est belle. Si on veut qu'elle soit belle, elle sera belle, la vie. Vous avez vu ça? Il dit que tout ce que les gens sont fait se raconter, les enfants, tout ce qu'on raconte aux enfants, sur les satanistes, toutes ces choses, on leur dit que quand tu vas venir sur le diable, tu vas apprendre ces choses assez étranges ici. Mes frères et sœurs, ça, ce sont des mensonges, de pires mensonges. Et ce qui se passe, c'est que quand certains parents découvrent ça, découvrent de telles réalités, ça les bouleverse tellement qu'ils doivent quand même réagir, même si c'est avec quelques mots. Écoutez ça. Existence, quelques heures plus tôt. J'ai découvert l'ésotérisme et je suis horrifiée. Elle dit qu'elle avait découvert ça et elle est dépassée. Écoutez encore. On discutait avec les enfants pour leur faire prendre conscience. Les parents sous le choc face à cet univers dont ils ignoraient l'existence quelques heures plus tôt. J'ai découvert l'ésotérisme et je suis horrifiée. Je veux plutôt en discuter avec les enfants pour leur faire prendre conscience de l'horreur que c'est. Quand je pense à la jeunesse que j'ai eue il y a très longtemps, moi je me dis que ces jeunes sont vraiment...
beaucoup de choses difficiles à vivre. Bonsoir. Ah bon, je suis absolument pas éloquente et j'ai pas envie de parler puisque j'étais un peu secouée. Elle était tout simplement secouée par ce qu'elle a vu. Elle était vraiment secouée, secouée même plus secouée que secouée, parce qu'elle vient d'entendre, ce qu'elle vient de voir, tout ce que nous venons de vous montrer ici, ça a partagé absolument, parce que ça c'est grave. Retenez ça, regardez bien ceci. Le diable se cachait, mais il y a des symboles qui sont là pour nous montrer qu'il est là et qu'il fait son travail, il fait son job. Faites très attention, regardez ça. Un truc que conduit les âmes en enfer, méfiez-vous de ça, parce que c'est le diable. Vous avez vu combien de fois la musique peut conduire les âmes en enfer. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. 14 ans, 13 ans, même en dessous. Même les enfants de déjà 5 ans qui savent parler. Dès que les enfants commencent à écouter une musique, ils répètent toutes les paroles. Et les parents sont là, ils les regardent. Pour eux, c'est un spectacle parce que l'enfant maintenant sait parler au point où il sait chanter. Mais s'il sait parler, il sait chanter en même temps. Qu'il chante à la gloire de Dieu, qu'il parle le nom de Dieu, et non chanter pour les démons. Au travers d'une musique rap où ils sont d'adorer les démons par exemple. Faites très attention mes frères et sœurs. Cet enfant en rouge nous a dit qu'à force d'écouter les paroles de cette musique, lui, il pouvait même aller jusqu'à tuer quelqu'un. C'est-à-dire sortir une arme tirée sur tout le monde. Même sur ses parents. Et vous avez vu le visage de leurs parents. Leurs parents n'étaient pas contents. Même il y a cette femme-là qui causait avec son enfant qui nous a montré même cette image-là. Qu'est-ce que son enfant a dit? Qu'est-ce que la femme lui a dit? La femme lui a dit, mais mon fils, tu ne vas quand même pas rester dans le satanisme toute ta vie. Il dit, ah ben, mais bien sûr que oui, je vais rester dans le satanisme. Elle dit, non. Elle dit, mais non, mais pourquoi non? À se voir que, franchement, les parents n'aiment pas la chose. Et ce qui est étrange, c'est que toutes ces informations, ils les tirent sur Internet. Ça veut dire que vous devez faire très attention aussi à Internet. Et à tout ce qu'on rencontre sur Internet. Sur Internet, il y a une masse, une infinité de dessins, de sites web, des sites web où on parle carrément du diable et comment apprendre à faire de la sorcellerie. Même il y a des gens qui vont même aller plus loin pour venir vous faire la démonstration de la sorcellerie. Par exemple, nous avons vu une image, une vidéo où on voyait carrément une personne qui était là avec une calebasse magique. Et avec cette calebasse magique, cette personne-là pouvait faire de l'argent et beaucoup d'argent. Et cette personne-là qui était mystique vend cette calebasse-là aux gens. La question que tu as te poser, mais c'est à quel prix? Comment on peut vendre un truc qui fait de l'argent à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on échange? C'est quoi le moyen d'échange? Mes frères et sœurs, c'est le sang. Soit c'est votre sang, ou c'est le sang de quelqu'un. Et ce serait un proche. Et le diable est en train de mentir les gens comme ça. Il ment aux gens. Il est en train d'endoctriner les gens. Et il est en train de faire croire aux gens que quand vous avez ce signe-là sur vous, c'est que vous êtes comme un dieu. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, le diable n'a pas changé. Ses stratégies sont les mêmes. Faites très attention, ne pas tomber dans ces pièges. La musique qu'on écoute, c'est un piège pour nous, ou encore pour notre âme. Ça veut dire que la musique que les gens vont faire aujourd'hui seront directement orientées vers le diable. Ça veut dire que les âmes seront corrompues juste en écoutant ces musiques. Faites très attention. Ne nous dites pas que vous n'avez jamais informé. Aujourd'hui, nous vous avons montré ce genre d'informations avec des preuves. Même les témoignages puissants précédents en disent long sur le sujet. À la fin de cette vidéo, vous verrez un témoin puissant ici. Regardez-le absolument. Ça va paraître ici ou là sur l'écran. Mais regardez-le. Vous allez entendre de vous-même des témoignages des ex-satanistes qui nous ont montré le fil de toutes ces chansons aussi. Juste un témoignage. Soyez prêts.
Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. N'oubliez pas votre j'aime, vérifiez. Et cliquez sur Nyansoubon de ce site, allez sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes. Vous allez les voir, trois logos là-bas, trois logos extraordinaires. Et soyez prêts parce que les prochaines vidéos qui vont venir seront plus chaudes que chaudes. Et nous comptons sur vous également pour changer votre histoire, changer le cours de votre vie. Même moi-même, j'étais dans ces choses. Grâce à Dieu, je suis sorti. Si j'ai pu, si j'ai réussi à en sortir, comme ces jeunes amis qui ont témoigné ici, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Que Dieu vous aide aujourd'hui, que Dieu nous aide tous et qu'il vous bénisse.